Salut YouTube, salut tout le monde, comment allez-vous? Allez, c'est parti, on continue Enshrouded en partie normale avec hop là, le monde de Guichard comme on l'avait fait la dernière fois. Alors qu'est-ce qu'on avait fait réaliser la dernière fois? Déjà, vous voyez ici l'interface ici, il y aurait ça en plus. Pour ceux qui l'auraient oublié, c'est ceux qui me suivent sur Twitch. Et donc la dernière fois, on a trouvé la... le chimiste, c'est ça? Attends, l'alchimiste, voilà, l'alchimiste. Et on reprend avec la manette. Je suis plus à l'aise avec la manette. On a une baguette, on a chopé ça. Et j'ai fait le tour des trucs que j'avais. Ah, si, si, si. Je pouvais faire le premier truc que j'avais chopé, voilà. J'avais récupéré dans mes coffres du silex et de la pierre. Pour faire la première chose qu'il nous demande, la pierre à aiguiser qu'on va réaliser et on va la mettre derrière avec pour l'instant ce qui me sert de d'atelier. Ça, on va le mettre ici. Hop, 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 hop. On va le tourner ici, là, voilà, on va le poser là. Et là, avec ça, il nous faut des os pour faire de la farine d'os. Ça tombe bien, je crois que des os, on en a plein dans un coffre. Ici, voilà, on a une cinquantaine d'os. On récupère les os et ça va donner. Ah, là, voilà ça, la farine d'os. Donc la farine d'os, on va la prendre, comme ça, on la mettra directement là-bas. Et dans le coffre de nourriture, est-ce qu'on a encore des trucs comme ça? Oui. Ça, on le prend avec soi. Parce qu'avec la farine d'os, après, on va pouvoir faire ce qu'on a besoin. Voilà, du sol agricole pour faire après une pépinière. Pour faire après des premiers plans de plantation, tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, hop, on va cuire ici. Et au niveau des trucs, on va aller chercher la chasseuse, je pense. On va aller chercher la chasseuse. On essaie d'améliorer l'hôtel. Je sais pas trop. Parce que là, pour renforcer les flammes, du cire, du sel, des étincelles, du bois de brume, du cire. Tête mastodonte, du maraudeur. Et je sais pas c'est qui le maraudeur. C'est pas celui-là que j'ai chopé? C'est pas lui le maraudeur? Au gosse, non, sa tête est déchue. Ok, bon, alors on va mettre les os et on va regarder ce qu'on fait. Alors, ça donne ça. Les crochets, on va les garder. Et sélectionner la pierre, on va faire ça. Donc là, térébuche ici. Faut qu'on fasse un peu de... Je pense qu'en priorité, on va faire du goudron. Priorité, on verra bien après. Mais là, hop. Ouais, ok. Donc on est bien comme ça. Allez, on va manger un peu. Prendre ça. Et prendre ça. Là, avec notre nouvelle épée qu'on a eue à l'épisode précédent, on va regarder hop, les quêtes et tout, pépinière, tu vois, on peut faire des légumes. Plus tard, on regardera plus tard. Alors, il nous manque deux artisans, la chasseresse et le charpentier. On va aller faire la chasseresse, on va mettre un truc rapide, mais on va se taper ici et partir en volant. Et partir en volant. Qu'est-ce que c'est pratique le double saut? C'est là-bas la grande tour noire là-bas, vous voyez qu'on voit là-bas? Il y aura une autre tour de TP là-bas, je crois. Peut-être.
tellement de choses à visiter. Après, il y a le désert, il y a... C'est cool tout ça. Évite de faire trop de bruit, Logan, là. On va couper par là. Je pense pas que ce soit le bon chemin pour venir arriver ici, mais... Petite chapelle de flammes. Hop. Récupère les étincelles. Je pense pas que c'était le chemin le plus approprié, ou du moins conseillé par le jeu. J'ai déjà esquivé pas mal de choses quand même. Je prends ça comme ça après, au pire si je veux jeter des trucs. C'est ça que je jetterai. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a ici? Pas de monstres. Je pensais qu'il y aurait des monstres ici. Qu'est-ce qu'il y a ici en plein milieu? Il y a un autre type de monstre que je connais pas. Il est mort. C'est quoi ce monstre? Ah, il s'est foutu dans son propre feu. Ok. Ramasse ça. Conserve des pierres, d'accord. Au moins on a de la fourrure. Putain, Dracron, besoin de fourrure. Alors. Allez en face là, ce qu'il y a. Est-ce que ça cache quelque chose? Non. Ah, ce genre de truc ici, ok. Oh. Ah, il y a un petit passage par là. Pas qu'il me voie. Eh, les dégâts dans le dos, ça fait mal. J'ai cru voir... Ah, il y en a un autre là. Il ne m'a pas vu. Une belle épée courte. Oh, le luxe. Transformé, est-ce qu'il y a un coffre là? Non. J'ai vu qu'il y avait du monde en face. Tu n'as plus de moins d'amour. Ah oui, la chaise, ah oui. On le fera demain, ça. Allez, ciao.
Excusez-moi, hop. Oh, mon chat il bug. Ah, attendez. Ah, pourquoi il bug ce con? Ah, mais j'ai pas accès à mon chat, désolé. Ah, ça c'est pénible ça. Bon. Ok, donc les notifications fonctionnent. Ah bah, il y en a un. On va essayer de le défoncer dans le dos. Parce que les attaques dans le dos, ça fait super mal. Ah, mais il est pas. Ah, les armes à une main. Qu'est-ce que c'est rapide? J'ai cru qu'il était dans le bon sens. Oui, non, 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 ouf. Achetez le double saut. C'est déjà la zone. Qu'on devait rentrer par là. Non, c'est un autre chemin. C'est pour autre chose, ça. Oh. Je monte à... Ok. Pas de soucis. Ah. Pour choper les mecs d'en haut. Ce qui est bien, c'est que ces fauves-là me donnent énormément de fourrure. Donc ça, c'est des monstres à farmer. J'en ferai vraiment beaucoup de fourrure. Ce que l'on veut farmer aussi, c'est les monstres qui feront... Maintenant, les autres monstres nous donnent énormément de ferraille maintenant. Les sortes de gobelins, là, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Oh, j'ai voulu sauter là. Il y avait un truc ici à faire. Aïe, trop vite. Ah bah, je peux y aller sans... Sans forcément... Et non, c'est pas un endroit secret. Il oublie de sauter. Il me va où ce temple là? Il n'y a rien de spécial. Je pensais qu'il y aurait un truc. Parce qu'on aurait pu contourner tout ça. Ouais, vaut mieux pas se faire toucher. Alors... toucher. Ah, c'est lui, il en faut 3 pour aller au coffre doré. Alors moi, comme je vous ai expliqué, hop, faut casser. Je vais le faire parce que maintenant les donjons ils rapportent pas mal de choses. Au début c'est pas grave, c'est pas grand chose, mais après
C'est de la résine, c'est toujours bien. Alors ici, vous voyez, ici il y a une grippe là. Voilà pour la suite. Et le prochain endroit, c'était là. Et donc, je viens de la fourrure, de la résine et de la cire. Et là, on va aller ouvrir ici. Une baguette d'apprenti. Bon, c'est pas. Voyez, une plaque de métal. Sachant qu'après j'en aurais besoin peut-être d'énormément de plaques de métal, c'est cool de choper des plaques de métal à ce moment-là. Surtout si on va directement chercher tout le monde avant. C'est qu'après les trucs qu'on ne voit pas. Donc on va à l'autre côté. Alors on peut monter des deux côtés aussi. Oui. Comment on sort de garder. J'arrive à la fin? Ah bah oui. Comme s'il n'y a pas d'ennemis. Et ben non. Et bon, on a rapidement chopé la chasseresse. Et c'est nickel. Et ben on va pouvoir rentrer à la base. Intéressant, c'est de partir directement par ici. J'ai regardé, j'ai mis même pas 10-15 minutes. Donc on va essayer d'aller choper. Là il y a un truc dans le trou, là il y a un petit village. Surtout la flamme là-bas. On va essayer directement d'aller chercher le bûcheron. Coupons comme ça rapidement. C'est une pointe de sauvegarde, ça. C'est un point de sauvegarde. Je suis déjà venu ici. C'est par. Ah, ben ça la tourne là-bas alors. Oh! C'est la tour d'Harry Potter. Ça peut être cool de faire une base ici. Dans une tour comme ça. Faut juste la rénover. Là. C'est la rénover, ça peut être classe. Forêt.
Tu vois, tu dégages tout ça. Tu peux mettre. T'as une jolie cuisine. Alors, le sac est plein. Quelle merde, je ne vais pas garder. Truc qui se trouve rapidement. Les bûches, on va jeter. Les fruits, pour l'instant, on va jeter. La science, je sais pas quoi ça peut servir, mais on va la garder. La pierre, on va la jeter. Brindis, tout ça, on va garder pour l'instant. Franchement, pas moi, t'as un peu plus encore. Attends. Voilà. Voilà. Ha ha! Endurance et une régène d'endurance, d'accord. Ah oui, j'ai réussi à monter au dernier étage. Grâce au double saut. Ah, il y avait un moyen de monter différemment. Il y avait un crochet, ok. Non, mais ça peut être intéressant de monter, voilà, en haut dessus une tour comme ça. J'aurais voulu un lit quand même, parce que là, de ce que je vois, c'est pas le bon truc que je regarde. Là-bas, il y a une maison et tout. Une tour. Il y a une flamme à la chamelle. En fait, on va aller ici. Et après, on va venir en volant ici. On va se TP. Et en fait, on va s'arrêter là. Donc, pour ceux qui veulent voir où est la maison de. Mais, un peu. La maison de sorcier ou de sorcière, un peu. De nuit, en fait, si vous voyez bien. Y a énormément de monstres. Ah, ça fait un peu plus de dégâts avec l'épée. Voilà. Je vais faire une prochaine vidéo pour lancer. Sac à dos. Toi, je te démonte. Gêne d'endurance. J'ai quoi là? Une mana, régène de mana. Endurance, santé. Voilà. Dans le sac à dos, action. Voilà, démonte-les. Ouais. Pour l'instant, je vais la garder. Baguette d'apprenti, je jette. Les arcs, on va les démanteler aussi. Et lui, on va te démanteler. Hop. Voilà, hop. On va faire voilà, une petite vidéo ici, voilà, de 20 minutes, là, 24 minutes. Donc la maison d'Harry Potter, je vous ai montré où ça se trouve sur la carte. Et du coup, voilà. Et bienvenue du coup à tous ceux qui sont là sur Twitch. Hein. Merci d'être présents. Alors, on va du coup, hop là. Tout ranger. Là, c'est plein ici. Je vais être en manque de. En manque de coffre bientôt. Du coup, ça, je vais le jeter, pas grave.
trouverai mieux la prochaine fois. Lui, je vais le faire cuire. Je vais le démanteler. Là, je vais le prendre ici. Voilà. Et donc ici, on va invoquer la chasseuse. Ici. Le faisceau perdu. Trouver du sel. On peut fabriquer de quoi avec elle alors? Des flèches. Super. Du séchage, un support de séchage, ça c'est bien. Faire des fourrures du coup, des torches. Déjà 3 niveaux. Décoration, mais il faut des planches. Et là, il faut quoi pour les tapis? Des trucs à séchage, donc il faut support bûcher ficelle. Ah, est-ce qu'il me faut, est-ce que j'ai de la bûche en qui traîne? Non, j'ai de la ficelle qui traîne. Oh, oui, du coup, je fais ça. On va aller vite fait. Ah, vite fait dormir. Là, il dort plus. Ça me met en mode je me la coule douce. Vite fait faire le truc de séchage. On va pouvoir le mettre dehors dans notre atelier de fabrication. Voilà. Tu veux. Pour le séchage. C'est que j'ai besoin du coup de énormément de fourrure. Hop, ça je vais le mettre là. Autre élément qu'on n'a pas parlé, du sel. C'est pour ça qu'elle demande d'aller chercher du sel. Donc là, sac à dos, toi. Va le poser là. Hein. B pro-sèche. On va ramener ça après. Donc là, vous voyez, il faut 3 de sel pour une fourrure. Là, hop, on a fait du goudron. Hop, là, on va changer. On va faire ça. Là, comme ça, on peut tout si on en a besoin. Voilà, de la farine. Ça arrive petit à petit. Bon, mes amis YouTube, pour cet épisode, pour ceux qui ne sont pas en live, mais merci de nous avoir suivis. On va se mettre avec ma belle épée. Et je vous dis à la prochaine.